Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. Bon les gars, j'étais en train de regarder une vidéo et je me suis dit non, il faut absolument qu'on en discute. Faut que je te partage ça. Ok, en plus c'est parfait parce que comme ça va me permettre de parler de deux concepts qui me tiennent à cœur. Un concept business et un concept sur la nature féminine, enfin relation homme-femme. Ok, donc je te laisse regarder ça et on en rediscute. So, I want you to rate me, my co-host, and then our fucking producer. Go from 1 to 10, just off beauty. Go. Speaking to the fucking. If you don't know what this is, I don't know what this is, but it sounds very. It looks familiar. Yeah, this is the discount Fresh and Fit. I would rate you. Fresh are rating me, and then him, and then him. Go. I'll rate you a 7. All right. What is he? I'll rate you an 8, right. And I'll rate Josh an 8 also. Okay. What about you? Go. I would rate you a 8. Okay. 9. Okay. Come on, he just fucking stood up, bro. Like, come on. I would say 9. All right. What about you over there? Go. 2. Okay. I would give him a 9. Okay. What is he over there? I would give him a 10 because okay. He invited me. All right. So, again, you sound like a stupid-ass bitch. Why are you rating me a 2? Because we're not going off our interactions. We're going off beauty. I don't like light-skinned niggas. I don't give a fuck. He's light-skinned just like me. And you just gave him a 9. You gave me a 2. You only gave me a 2 because of the whole interaction that we've been having, right? So do me a favor. Get the fuck up and get the fuck out. Thank you. Yeah, get out, stupid ass bitch. Make sure she gets her bag and phone too. Make sure she doesn't take the wrong fucking phone, dummy. Frérot, faut calmer. Tu t'énerves. Bon, je vais revenir là-dessus. Bon, première partie, donc si jamais tu sais pas c'est qui Fresh and Fit. Fresh and Fit, bah c'est eux qui ont lancé un peu le concept. Enfin, je dirais qu'ils ont popularisé ce concept d'avoir deux gars et de ramener plein de filles et d'avoir une conversation autour de tout ce qui est relation de femmes. Ok. Et c'est vrai que Myron, des fois, il est un peu. Parce qu'il y a Myron et il y a Fresh. Et c'est vrai que Myron, il est un petit peu. Comment dire? Il laisse pas grand chose passer. Mais c'est toujours un petit peu justifié quand même. Hein, après, bon, chacun a son opinion, mais c'est quand même un peu justifié. Des fois, les meufs, elles font leur maline, etc. Donc, voilà. Donc, des fois, il peut être un peu... il laisse pas grand-chose passer, OK? Donc, que tu reprennes le concept, OK? Parce que, du coup, ils ont repris le concept. Que tu reprennes le concept, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense même que c'est ce qu'il faut faire. Il faut que tu copies un concept qui fonctionne. Par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est de copier exactement... Tout exactement. Le studio ressemble à Fresh and Fit. Ils ont même repris le truc là, girl. C'est un truc qui est aussi sur Fresh and Fit. La configuration, tout en fait est trop copié. C'est faux. Même sa manière d'agir, il essaie de. On voit qu'il essaie d'imiter Myron. Genre, il essaie de faire le mec agressif. En plus, il le fait super mal et dans des proportions qui n'ont même pas lieu. En fait, on ne comprend pas en fait. Tu t'énerves pour rien, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont repris le concept qui ont un grand succès. Je pense à Just Pearly Things. Elle a, en un an, elle a fait 1,6 million d'abonnés. Je crois, un truc comme ça. Et elle a le même concept. Elle a pris le concept de. Avoir un host et avoir des gens pour converser, voilà, parler de la nature féminine, parler de relations de femmes. Et ça a super bien marché, mais voilà, c'est différencié. Il faut que tu aies quand même une différenciation. Copie, mais quand même après, fais-le à ta sauce. Sinon, après, tu n'es qu'une pâle copie. D'ailleurs, c'est ce que les gars, ils ont fait, qui ont fait la vidéo réaction là, que tu as vu à un moment donné. Ils ont dit ouais, que c'est un discount de Fresh and Fit, quoi. Ça veut dire que c'est Fresh and Fit en moins bien. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce que les gens vont penser. Quand tu copies, tu fais exactement la même chose que quelqu'un, tu n'essaies pas d'être toi-même, d'avoir ta propre identité, tu peux copier le concept. Mais après, il faut que tu mettes ta personnalité dedans parce que tu ne pourras jamais être meilleur que l'original. Tu vois, toi, tu es une version, personne ne pourra être une meilleure version que de toi-même. Il faut que chacun ait sa personnalité et essaie d'être la meilleure version de soi-même. Et personne ne pourra te copier. Enfin, personne ne pourra être meilleur que toi dans ce que tu fais puisque c'est toi l'original. C'est impossible que quelqu'un soit un meilleur Jonathan, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, ça c'était pour le premier concept que je vais parler au niveau business. Et le deuxième concept, c'est au niveau de tous les gars qu'on. Ça, tu sens que le gars il traverse par ce qu'on appelle le rich pill, tu vois. Le gars il vient de découvrir que les meufs, vraiment la nature féminine, il est en train de péter les plombs là. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas les secrets de la nature féminine, tu as Zeus en description pour le prix que c'est, fais-toi plaisir. Mais une fois que tu apprends la vérité, ne pète pas les plombs comme ce gars-là. Hein. Donc là, toi, donc le gars. Je comprends pas le concept. Le gars demande aux meufs, notez-moi. Déjà, je les trouve bien gentilles.
Parce que je crois qu'ils l'ont noté, ils l'ont donné des 8, des trucs comme ça. J'ai même entendu 9 à un moment donné. Bon, déjà, elles sont bien gentilles. Il y en a une qui te met un 2, t'es vénère. Pourquoi tu demandes? Tu poses la question, mais tu ne veux pas la réponse. Tu arrives même à rentrer dans un débat genre non, c'est pas vrai. On a dit que la beauté, Annie, elle te dit non, mais j'aime pas les gars clairs de peau. Tu dis non, mais lui aussi, les clairs de peau, tu as mis un 9. Et moi alors, comment ça se fait? Non, arrêtez les gars, contrôlez vos émotions. Tu peux pas te permettre de faire des trucs comme ça. Après, tu l'insultes de tous les noms parce que tu as mis un 2 alors que tu as posé la question. Et après, tu lui dis de sortir de ton podcast. Non, non les gars, faites, s'il vous plaît, faites pas ça, les gars. Et c'est là que tu vois que les gars, ils ont aucune idée de comment interagir avec les femmes. Aucune idée. Gars, reste calme. La meuf, même quand une meuf elle te rejette, tu restes calme. Tu ne montres pas tes émotions. Contrôle tes émotions. C'est ce qui fait, déjà, c'est ce qui fait qu'elle va être attirée par toi. Et c'est ce qui fait que tu agis comme un bonhomme. La meuf, elle te dit deux, ok, next. Boum, tu passes à autre chose, tu changes de sujet. Et c'est là que c'est puissant. Une meuf n'est pas intéressée par toi ou une meuf te rejette, next, tu passes à autre chose. Est-ce que ça veut dire que ça ne te fait pas quelque chose? Bien sûr, ça te fait quelque chose. Mais la dernière chose qu'il faut faire, c'est de montrer tes émotions à la meuf qui essaie de te piquer ou qui essaie de te faire réagir. Je rentre bien en détail d'ailleurs dans Zeus par rapport à ça. Mais ouais, non, mais les gars, ils font des podcasts et ils veulent dire comment. Ils veulent enseigner ou montrer comment les gars doivent réagir. Mais ça, c'est tous les gars frustrés. Alors, tous les gars qui sont contents de voir ça, c'est les gars qui sont frustrés, comme ils se font rejeter ou les meufs ne les calculent pas. Parce que c'est vrai que 80% des hommes sont invisibles pour pratiquement, pratiquement toutes les femmes, hein, tout simplement. Oui, je peux comprendre qu'il y ait cette frustration et qu'ils sont super contents. Ah, vas-y, parle leur mal, ouais, mets-la dehors, ouais. Ok, les gars, on a compris votre frustration, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûrement pas comme ça qu'il faut agir avec les femmes. Tu sais pas! Mais c'est sûrement pas comme ça qu'il faut agir avec les femmes. Reste calme. La meuf n'est pas intéressée. Boum, ok. Ou la meuf, elle te met un 2. Ok. De toute façon, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais très bien que t'es pas un 2. Pourquoi tu réagis comme si elle veut faire sa maline. Ok, tu passes. Next. Voilà, et c'est tout. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses par rapport à ça. Mets un petit j'aime si t'as aimé la vidéo. Un j'aime pas si t'as pas aimé. Je te rappelle que la chaîne, c'est pour les gens qui sont déter et qui veulent créer leur vie sur mesure et quitter le métro boulot dodo. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Regarde ça avant de créer à l'arnaque. Et deuxième chose, c'est Zion où c'est pour toutes les personnes qui veulent être indépendantes financièrement à 5 000 euros par mois au minimum. Je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Regarde ça sur la page de vente. T'as accès à plein de. Pratiquement toutes mes formations, Pirate Marketing, YouTube Money Machine, Six Pack ou rien. T'as accès à une communauté aussi privée, t'as accès aussi à quoi d'autre, contenu exclusif. Bon, t'as accès à plein de choses. Okay. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, je suis à ton camp.